Bah, ils seront 11, il y aura toujours un gardien qui va être là demain, donc même si le gardien titulaire ne joue pas, voilà, il y aura le deuxième ou le troisième gardien qui va être là, donc en tout cas, nous on va tout faire pour essayer d'exploiter ça. C'est un gardien qui va manquer sûrement de compétition. À nous d'être inspirés demain et surtout d'en profiter aussi. Eh ben ouais, je pense que de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Comme j'ai dit tantôt, l'entraîneur Fawzi connaît très très bien cette équipe. Mentalement, c'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel par rapport, en tout cas, par rapport aux joueurs. Donc c'est une ambiance qu'il a déjà connue. Les joueurs aussi qui sont là, 7 ou 8 étaient champions d'Afrique il y a 2 ans. Donc c'est une ambiance qu'ils connaissent. Donc on est... Quand on sort des voyages en Afrique du Sud, au Nigeria, un peu partout en Afrique et tout, je pense qu'on est préparé de ce côté-là. On sait que ça va être une ambiance électrique demain, mais nous, on est préparé à ça. Même dans le championnat marocain, on ne joue pas devant moins de 35 000 à 40 000 spectateurs. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se faire. Il faudra surtout qu'on garde tout notre calme. On est là pour jouer au football. On est là avec l'idée d'amener la coupe à Casa, c'est ça qui nous intéresse le plus. Alhamdoulillah, حنا عرفنا الاخطاء اللي ارتكبنا في المقابله الاولى وعرفنا نقطه الضعف ديال الفريق الخصم. كما كعرف جميع عندنا مدرب اللي ديجا درب الترجي التونسي ومدرب للتونسي ومدرب الكبير سي فوزي البنزرتي. خدمنا هذه السيمانه هذه على كيفاش خصنا ننتصروا وغننتصروا، وانا كنظن غادي تكون واحد المقابله ان شاء الله غدا اللي جميله. والحمد لله كما شرتي حنا كنحسوا براسنا باننا تنصفنا، والضغط اللي كان علينا الحمد لله تحيد، تنصفنا، عرفنا راسنا بالله راه كان الاخطاء اللي مؤثره صراحه اللي خلات النتيجه خرجت بواحد. حنا دابا جينا هنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. انا كنشكر جميع للناس المسؤولين بالجامعه التونسيه وللناس المسؤولين ديال الترجي وللناس المسؤولين ديال الكاف اللي وفروا لنا صراحه جميع الظروف، لا من الناحيه الامنيه ولا من ناحيه اي حاجه صراحه.